Salut à tous, je m'appelle Shadia, j'ai 35 ans, je suis youtubeuse depuis quelques années maintenant et j'adore prodiguer et partager mes petits conseils, astuces, bons plans, etc. etc. Comme je pourrais le faire avec ma famille, mes amis, voilà. Donc je le fais sur le net, sur Instagram, sur YouTube, voilà, sur Snap, un petit peu moins sur Snap, j'avoue. J'aime beaucoup tout ce qui a trait au monde de la beauté, make-up, soins, ainsi que tout ce qui est lifestyle, sport, maison, déco, rénovation, cuisine, enfin bref, la liste est longue. Alors, je n'ai pas fait de contenu spécial par rapport à avant. Le confinement n'a rien changé parce que à chaque fois que j'ai voulu en fait traiter un sujet, ben je prenais le temps de le faire tout simplement. Donc non, j'ai rien fait de spécial pendant le confinement niveau sujet, je dirais. Alors pareil pour les activités, j'ai toujours fait les activités que je faisais auparavant, je les fais également pendant le confinement, sauf que je dirais que je prends juste un petit peu plus de temps à les réaliser tout simplement parce que peut-être que on manquait un petit peu plus de temps avant le confinement. Mais voilà, sinon je fais toujours du tri, le ménage, cette nouvelle tendance qui est là, mais en fait qui a toujours existé, hein. Je veux dire, j'ai toujours rangé, trié, nettoyé. Le sport, je le faisais lorsque la motivation était là. Ce confinement, j'ai envie de dire, n'a rien changé, à part le fait de se recentrer sur l'essentiel, la famille et la santé après. Au-delà de ça, pour ma part, ça n'a rien changé. Alors, pendant le confinement, ce que j'aime beaucoup regarder, ben c'est comme d'habitude, hein. En fait, moi, rien n'a réellement changé. J'aime beaucoup regarder tout ce qui est contenu, qui touche ben, tout ce qui est décoration, rénovation, tri, rangement. Tendance qui a été lancée par Marie Kondo. C'est très très bien quoi, pour désengorger un petit peu son chez-soi. Je me suis rendu compte que j'entassais pas mal de choses et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, donc ça permet aussi de faire du tri et de désengorger, de donner ce qu'on peut donner et vendre ce qu'on peut vendre. Et puis voilà quoi, faire pourquoi pas des bonnes actions aussi. J'aime beaucoup cette tendance des challenges, je trouve que c'est super sympa, voilà, ça fait passer le temps et ça permet de bouger aussi, ça permet aussi de travailler son petit jeu d'acteur. Non, moi franchement j'aime beaucoup regarder, oui j'en ai fait quelques-uns et ça a été sympa de les faire et de les tourner. Bien évidemment, j'ai adhéré à TikTok. Mon message serait de rester chez vous, on ne le dit jamais assez, protégez-vous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et recentrez-vous sur l'essentiel, la famille et la santé. Tchuss!